faire la déclaration. Et puis après la déclaration, nous maintenons l'union nationale et nous allons nous séparer par là. J'ai dit que l'assistance à ce mode de beaucoup l'union nationale. La déclaration de la coalition Ramuka au sujet de notre meeting initialement prévu au stade de martyr de la Pentecôte. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je remercie la presse d'être là. Comme vous le savez, le 18 novembre 2023, la CENI a lancé l'activité électorale de campagne. Et nous étions invités, tous les acteurs politiques en compétition, de nous engager dans la campagne électorale. Lamuka Fayulu a son candidat numéro 21 à l'élection présidentielle, qui a démarré sa campagne dans la ville de Bandung. Et vous-même, vous avez vu à l'étape de Bandundu, qu'est-ce qui s'est passé. Il est à Bagata, il est allé dans une partie de Maïdombe, il est revenu à Kinshasa. Après, il a pris son avion pour la grande province orientale, en commençant par Kisangani, Bouta, Isiro, Bunia, Beniville, Beni Territoire, Butembo, Goma, Bukavu, Uvira, et cette première étape s'est terminée à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Les gens qui pensaient que Martin Fayulu n'ira pas loin avec cette campagne électorale ont été désillusionnés. Dans les 11 villes que je viens de vous citer, l'adhésion entre
Martin Fayulu et son peuple était total. La communion parfaite, les liesses populaires dans toutes les villes, sans incitation matérielle ni financière, venaient accueillir le commandant du peuple partout où il est passé. Et voilà, dès que les ennemis de la souveraineté du peuple congolais se sont rendus compte que le commandant du peuple garde sa légitimité intacte, ils ont commencé à mettre les bâtons dans les roues. Ils ont multiplié des obstacles, des entraves pour freiner l'élan de sa campagne électorale. Le tout commence par les entraves liées à la circulation avec son avion privé qu'il a loué. Vous savez, l'avion qui a été loué par le commandant du peuple, le président élu, c'est un appareil qui ne pouvait pas atterrir dans certains aéroports de notre pays, les aérodromes de notre pays, parce que c'est pratiquement des petits couloirs comme dans des champs de patates douces et où il fallait des petits avions. Chers journalistes, distingués invités, à chaque fois que le commandant du peuple signe un contrat avec une compagnie d'aviation locale pour visiter les villes où son avion ne peut pas atterrir, on multiplie des raisons, des obstacles, pour même là où l'argent est déjà payé, pour trouver des justifications à des bas de service. Mes renseignements pris, toutes les informations recoupées, il s'est révélé que les services de l'État congolais, les services de sécurité, sont impliqués dans les intimidations des compagnies d'aviation pour que Martin Fayulu ne se déplace pas. Dernièrement, vous avez suivi quand nous étions à Lubumbashi. Nous avons dénoncé et condamné la réquisition des stocks de carburant par le gouvernement de M. Tshilombo. Et que depuis quelques jours, pour qu'un avion des campagnes électorales des candidats de l'opposition soit ravitaillé, il faut une autorisation préalable des services de la présidence. Ce comportement antidémocratique, ce comportement barbare, d'une certaine époque, ne facilite pas la concurrence démocratique, ne facilite pas de mettre les acteurs politiques au même pied d'égalité dans cette bataille, dans cette compétition électorale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons acquis un retard des villes qu'on devait visiter. Tout mis en œuvre, la population nous attend. Dernièrement, dans la Grande Équateur, on a raté la ville de Gemena, Bumba, tout simplement parce que l'avion ne devait plus continuer, il n'y avait plus de carburant. C'était le cas avec la ville de Kindu. Et là, je reviens de plusieurs hydrocarbures. Ou dans la ville de Lubumbashi, tout le monde était en alerte pour accueillir le commandant du peuple. Le candidat numéro 21. De la même manière, la ville de Kolwezi, l'équipe d'avance de la Mouka Fayulu qui était sur place, a constaté que la communion entre la population de Tarawa et Martin Fayulu Madidi est parfaite. Mais on n'a pas facilité la tâche. Tout ce qu'on a entrepris comme démarche pour avoir les carburants, même pour louer un avion localement ici, les services de renseignement de notre pays, sous l'instigation du gouvernement Tshilombo, ont tout fait pour intimider les compagnies d'aviation
et nous refusons les avions localement pour un déplacement dans la quiétude. Voilà, chers amis, le 28 novembre, nous avons adressé une lettre d'occupation du stade de Mardi. Conformément aux dispositions en la matière, si vous voulez louer le stade de Mardi, vous adressez la lettre au ministre des Sports et Loisirs. Nous avons écrit la première lettre. Elle est là. Cette lettre date du 28 novembre 2023. On a attendu la réponse qui n'arrivait pas. Le 8 décembre, soit 10 jours après, nous avons fait une lettre de rappel au ministre avec copie pour information à tous les services impliqués dans la gestion du stade de Mardi. Toujours sans réponse. Ça, 10 jours après. Hier, le 11, nous avons constaté que ce silence cachait quelque chose. Et nous avons verbalement appelé, contacté les services du ministère des Sports et Loisirs, les cabinets du ministère des Sports et Loisirs. Nous approchons vers la date du 17 qui était prévue dans notre lettre de formation pour clôturer la campagne du commandant du peuple, Martin Fayoulou, le candidat numéro 21 au stade de Mardi. Les Quinoises et les Quinois ont besoin de se retrouver pour communier avec leur leader à la fin de la campagne. Le cabinet du ministre nous a renvoyé aujourd'hui à 10h pour avoir la réponse du ministre. Chers journalistes, aujourd'hui à 10h, à notre grande surprise, le ministre nous oppose le fait de nous recevoir. Le ministre refuse de nous accorder le stade de Mardi en location pour les meetings de fin de campagne du candidat numéro 11, numéro 21, plutôt, excusez-moi, du candidat numéro 21, le commandant du peuple, Martin Fayoulou. Comment peut-on interpréter ça? Est-ce que la peur de la démonstration de la légitimité? Est-ce que parce qu'ils savent que Martin Fayoulou a déjà démontrer sa force à travers le pays et qu'il ne faut pas lui donner cette occasion qu'il refuse. Nous condamnons et nous dénonçons fermement ces comportements antidémocratiques, ces comportements qui ne permettent pas l'équilibre du jeu démocratique. En campagne électorale, nous devons partir sur le même pied d'égalité. Monsieur Chilombo a tenu un meeting populaire au stade de Mardi. Et nous apprenons que prochainement, d'ici la fin de la semaine, il sera au stade de 20 mai. Ces stades sont-ils devenus les stades de l'UDPS, son parti, les stades de la famille ou les stades de l'Union sacrée? Ou ce sont les biens de l'État qui ont été construits avec les frais de contribuables congolais et les biens auxquels nous tous avons le droit de juger là-dessus, conformément aux dispositions en la matière. Chers amis, aujourd'hui, on ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. Est-ce que nous sommes en campagne électorale ou nous sommes pendant une activité de l'Union sacrée et que nous autres, nous devons les observer? On n'a plus droit à quoi que ce soit dans ce pays. Voilà pourquoi nous avons réunis, chers camarades, chers journalistes, trop c'est trop. Si M. Chilombo et M. Denis Kadima, dans la préparation de la fraude électorale, sont en train de préparer l'implosion de ce pays après la mascarade d'élections qu'ils veulent organiser, ils vont supporter eux-mêmes les conséquences.
la Mouka Fayoulou ne croisera jamais les bras. Jamais les bras. Le 20 décembre, le commandant du peuple, le candidat numéro 21, Martin Fayoulou m'a dit, va recouvrer la victoire du peuple qui lui a été donnée. Il avait promis, il a répété. Dernièrement, dès qu'il est investi, il va visiter la première ville en tant que président de la République, c'est la ville de Béni. Et la deuxième ville, c'est Lubumbashi, et troisième ville, pour visiter dans les grands Katanga. Des villes du Grand Katanga qui ont manqué la présence du président Eli pendant cette campagne. Tout simplement parce qu'il y a des entraves des services de sécurité de notre pays instrumentalisés par M. Tshilombo et Sabat. Voilà, nous sommes là à la fin de notre communication politique qui est organisée pour dénoncer, pour condamner, pour désapprouver ces comportements irresponsables pendant cette période électorale, ces comportements antidémocratiques. Mais parce que nous n'allons pas croiser les bras, ils nous ont refusé les stades de martyrs. C'était le plus grand lieu qu'on aurait voulu démontrer notre démonstration de la légitimité du commandant. Mais nous vous donnons rendez-vous le samedi 16 décembre 2023. Nous sommes présents au terrain Sainte-Thérèse. Le commandant du peuple, le président élu Martin Fayoulou, candidat de la cohésion et de l'unité nationale, va tenir un meeting populaire. Au terrain Sainte-Thérèse, c'est samedi 16 décembre. Nous invitons la population kinoise de tous les quatre districts de la ville de Kinshasa de se préparer au courant de la semaine. Le samedi, à partir de 10 heures, nous tous, hommes, femmes, direction Sainte-Thérèse. Parce que le terrain Sainte-Thérèse est moins que le stade de martyrs. Nous devons inonder ce terrain, les avenues qui l'entourent, pour que les gens comprennent que nous sommes une force et que s'il faut compter dans ce pays avec l'intégrité, la moralité, la compétence, l'expérience qui fait la différence, il faut compter avec Martin Fayoulou. Le 20 décembre, c'est le changement. Nous voulons le changement. Et ce changement va arriver, et le changement s'appelle Martin Fayoulou. Au moment où le directeur de campagne de faire l'économie de cette déclaration d'intention à l'attention des médias de Galapagos pour plus donc le directeur de cabinet, plutôt le directeur de campagne adjoint Jean-Luc Senghava devoir brosser résumé de ce discours à Galapagos. J'aurais bien souhaité également que le peuple sache les raisons politiques bidons qu'ils ont avancées dans cette lettre pour interdire les meetings. Donc, je voudrais vraiment remercier les directeurs des campagnes adjointes pour vous souligner également les raisons bidons qui ont été évoquées, notamment, vous avez la lettre, qu'il y aura les Jeux africains en 2027. Donc, dans 4 ans,
qu'il y aura des gels. Et donc, nous, on n'a pas le droit de tenir notre meeting dans 10 jours. Donc, c'est les gens, mais donc, il faut les évoquer. Si tu as des gars pour que les gens comprennent, vous avez la parole. Bandeko, ton divino, ton divingi, ton lobby, les alliés passent mingi. Namboka na biso na tango au moment où tu dois traverser ya campagne électorale. Tu as vu que pendant la campagne, façon gérer Mboka pour diriger les Alaka, on ne peut plus différent na temps normal. Généralement, les lots, ce n'est tellement pas nécessaire pour toi c'est la permission pour que à organiser un meeting. De sorte que a décliné le programme naï, a expliqué par Congolais une fois qu'il y a vous en a pouvoir et le bonini à Kossal. Mais malheureusement, Nambo Kanabiso, Bazo, Tindi Kabiso, effectivement, tous à la Kolanda Makambo, comme si tous à la qui n'a période de la campagne. C'est ainsi que nous avons poussé par l'objet campagne à candidat numéro 21, et ça dit plus dérangé parce que. Gouvernement ya mboka et pesaki mibeko na ba aéroport à travers mboka bakoka pour servir carburant na ba avion oyo de Martin Fayulu abandaki otambula na ngo. C'est ainsi que bomoni ba mboka mususu bisika esengela ya zala akomi kuna te pas parce que ya linga kite, tout simplement parce que pouvoir yandeko tchilombo oyo ezo se comporter lokola tozalaki na moyen âge ezo permettre te bateke la carburant pour que a se déplacer malam nde loko ya liboso to lingaki to tia sete boso sola malam que ce qui ndeko azo se déplacer te c'est parce que pouvoir ezo faciliter makambo te wana eloko ya liboso to lingaki to préciser. Mais eloko ya monene oyo to bengelaki bino bandeko ba journaliste ezali oyo etali meeting oyo ezalaki prévu le 17 décembre na stade de Marti. Boyebi malamu kaka na mboka oyo. Deux fois de suite bandeko ya Union Sacrée va se rencontrer na stade sans qu'il y ait problème. Va permettre bango sans problème. Il n'y a pas 12 jours de Kotilombo na bandeko na ye ya Union Sacrée bazalaki na stade. Mais tant que komi heure ya candidat numéro 21 Martin Fayulu ba bimisi ba raison moko fallacieuse. Ba lobi nini na mukanda oyo batindeli biso. Ba lobi lokola ba kobanda kala mingi te ba misala ya kubongisa stade pour la quoi prêter en gros et de sorte que stade et accueillir bas jeux d'Afrique et Bosaliman na Congo na stade wana na 2027. Voilà pourquoi ba Pekisi Ndeko Martin Fayulu a se réunir kuna. Quel rapport entre 2027 na 17 décembre 2023 et Karwana et que ça a été mis à la bango et à la retard. Vous comprenez que les alliés ont une raison politique de ce que ça a été de Kotilombo à permettre de Ndeko Fayulu à communier la population naïe dans le stade des martyrs. Voilà la véritable raison. Donc, Babanda Okanisa, tant que vous avez mis à la stade des martyrs, comme si les alliés ont mis à la retard, Bakanisi que ça ne sera pas possible. Mais le fait que va se rendre compte pour que Bango, Bazoata, Foul Moko, Sogolo Pakala dans une ville ou dans un coin du pays, il faut, un, va débourser Mbongo et Bélé, il faut va fonctionner, il faut basse à la militaire, il faut basse à la policière, il faut va élève pour que Baya, ceux qui battent Moussousou Baye, Bazoya, pour réclamer Ram, pour crier Moïbi, pour la Koloba, Makambonyo, ce zo là qui s'accue, aucune intention de vote à l'endroit de Monsieur Tchilombo. Mais Ndenga Monique, Batouba Zolanda, Martin Fayulu, avec des intentions de vote, en scandant partout, après sa mongo, après sa polote, Toko vote Nanko, et puis si Bango passe, et puis si Bango Kobanga, Yangoana, va créer, va subtenir.
Yangoana, Basali Bamontali Oyo, pour que Tosangana, le 17 décembre, te. Mais Bisso, to désarmé te. To lobby, le connaissant pendant campagne, ce qui to landi, Oyo, peuple n'a Bisso à Zoloba, parce que le peuple plus que déterminé à Koloba, Bisso, le 17 décembre, il faut toquer de la star. Bisso, to lobby, ce qui to tiki, toke boye, les troubles peuvent être créés par Kotchango Namukongo, il y a candidat Martin Fayoulou. C'est ainsi un responsable. Tolobi, Tozo, Koutana, le peuple Nabiso, le 16 décembre, na terrain Sainte-Thérèse. Yangoana, Tosangisa Kibino, Ko, Tomeka, pour partager Nabino, comme ça, peuple Nabiso, Ayeba, Ponanini, Babo Elibiso, tas de merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur des campagnes. Merci à nos amis journalistes. Merci aux cadres et aux militants de la MUCA, au peuple congolais. Donc, à Wale de Soukissi, point de presse rouge, se bat pour voter le Macron à une nation. Voilà. Comme je l'ai fait à la campagne autour de Bango. Nous allons entonner l'hymne national pour un hommage à la nation. Et vous, Congolais, une, deux, trois. Et vous, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps coupés. Et pour les bons, prenons les plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don Benito, les aïeux, au pays, l'ennemi, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Que nous léguons à notre postérité pour toujours.